Bonsoir à tous. Et ce soir, c'est le grand jeu. C'est le tirage au sort. 3, 4. On va s'aimer sur un pas de mal ou sur un... Je connais même pas les paroles. Ou dans un vieux grenier. Ta gueule. Bon, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Ce soir, c'est le tirage au sort. J'ai pris mes lunettes, ma casquette, équipe jaune. Équipe rouge, équipe verte, équipe orange. On va voir tout de suite. Alors, je garde ce micro. Il faut absolument que je trouve un petit bout de bois pour pouvoir me l'accrocher. Je ne sais pas où je pourrais me l'accrocher pour... parce que là, franchement, le son n'est pas bon. Que là, le son est excellent. Sauf que je bouge souvent. C'est parti, mon kiki. Ce soir, grand tirage au sort. Juste pour prévenir, j'ai eu un message de la cimonière Dédé. Vous vous rappelez, les sapins de Noël? Non, là les votes sont clos. C'est pour ça qu'il me demandait pour rentrer dans la team. Mais non, si la team ailleurs, il y a un code, c'est exprès, de façon que c'est que des gens qui commentent et qui s'impliquent dessus, quoi, qui s'intéressent à YouTube, machin. C'est pas autrement, ça sert à rien, parce que les teams, on en a fait. Moi, je préfère qu'on soit 6, 8, 10, et que ça soit, voilà, que des Ronil, des machins comme ça. Voilà, des gens sympathiques, ou au moins, voilà. Bon, on a la team, la good ailleurs et la team ailleurs. C'est toujours dans le même... Je redis ça pour ça. Donc c'est trop tard, je suis désolé à Simonière. Et puis, faut vraiment aussi commenter, sinon ça ne sert à rien. Donc je te dis pour une autre fois, si tu veux revenir, on verra plus tard. Mais là, terminé. On est 16. Bonsoir à tous. 2 minutes 15. Tirage au sort. Attention, pour le 9 mai, la Transat Cup Mimorabu. Donc, alors voilà comment je vais procéder. Numéro de 1 à 16. Alors je n'ai pas le 12, j'ai mis le 21. Hein, on dira que c'est le 12, peu importe. Ça va se jouer comme ça. Le 1 sera Willow Will. Voilà, c'est dans l'ordre là. Hein. Le 2, Gigi. Le 3, Gros Babas. Le 4, O'Neill. Le 5, Le Boss. Le 6, Keeper. Le 7, Giga 7. Le 8, Momo. Le 9, Le 7. Le 10, Armen. Le 11, Fred. 12, Max. 13, Élevage Borgé. 14, Mimorabu. 15, Poupoun 49. Et le 16, Élevage Borgé. Oh, j'ai dit deux fois Élevage Borgé ou quoi? Oh putain, j'ai dit deux fois Élevage Borgé. Bon, il y a une petite erreur. Alors, on va couper, on va regarder. Oui, c'est pas possible. Pourtant, on était bien 16. Bah, une petite seconde, j'ai fait une petite coupure et je vais regarder ça tout de suite. C'est bon, j'ai trouvé l'erreur. Bah oui, France Espoir 13. Mais je sais pas, ce matin, il était plus là. J'ai envoyé un message, donc bien sûr que non, il nous a pas quitté. France Espoir 13, depuis le départ, il fait les Cup Mimorabu. C'est donc le 16e sera France Espoir 13. Hein. Donc là, je renote, tant pis, France. Et voilà, il a dû avoir un... France Espoir, oh putain c'est dégueulasse, 13. De toute façon je vais noter tout ça sur ce magnifique tableau avec un marqueur permanent car l'histoire arrive aujourd'hui, ce soir, tenez bon. Je vous explique la petite boule, maintenant on va couper, on va plus voir ma gueule, on se retrouve à la fin du tirage. C'est parti mon kiki et tout sera fait en direct hein, parce que là, sans tricherie, la parole du capitaine Mimorabu. C'est parti, on va s'aimer sur un oreiller ou dans un grenier. Donc voilà, en direct, nous voyons donc le tirage au sort qui va bientôt être effectué devant vous. Les numéros, je vous ai dit. Alors le 1, vous voyez, 1 et Willow Will, on a déjà dit, on ne va pas redire. Ça sera le 2, ça sera Gigi, je l'ai dit. Hein, le 3, Gros Babas. Le 4, O'Neill. Le 5, le Boss. Le 6, Skipper. Le numéro 7 sera donc Giga 7, le numéro 8 Momo, le numéro 9 Le Celt, le numéro 10 Armen, numéro 11 Fred, numéro 12 qui c'est en gros le 21 mais parce que j'ai pas de 12 donc le numéro 12 Max, grand champion attention, numéro 13 Élevage Borgé, numéro 14 Mimorabu, numéro 15 La Poune 49, numéro 16 et France Espoir 13. Voilà, France Espoir 13 qui est revenu, qui a eu, voilà, il s'est expliqué.
des connexions, machin. Sur ce, c'est terminé. Les votes sont clos parce qu'il y a du boulot derrière, hein, faut pas croire. Il y a de l'investissement et j'attends de vous, bien sûr, une formidable cup. Et voilà, on mélange. On met donc ça dans... putain, comment ça marche? Ça doit être comme ça. Attendez. C'est du direct. On coupe rien. Et voilà, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Alors, hop. Est-ce qu'on s'est bien filmé, là? C'est très bien filmé. Michel, t'es un professionnel. Voilà, n'oublie pas qu'il faudra chaque personne. Voilà les quatre tickets. J'ai marqué donc les quatre couleurs des équipes qui auront lieu. Attention, ça va être une grande cup le 9 mai, Concarneau Saint-Barth. Alors on va tirer au sort, on va jeter au hasard. Allez hop, jusqu'à temps qu'il en reste un. Il en reste un dans les mains. Donc on va faire le tirage au sort, mesdames et messieurs, en direct de la première équipe. La verte, équipe verte, équipe petit pois pour la Concarneau Saint-Barth, équipe verte. Je marque avec mon marqueur en même temps. Vert, on va faire les quatre tirages. Qui sera dans l'équipe vert? Ah, putain, ça me descend sur la gueule, ça. Ah bah c'est du direct, les gars. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, hop. Allez, c'est parti. La première personne qui sera... dans l'équipe verte, attention, là. Allez, voilà, là, c'est le numéro 8. Le numéro 8 est Momo. Momo fait partie de l'équipe verte, donc n'oublie pas Momo, hein, faudra les gars. Et toi, merde, la voile verte. Momo, tu es vert. Momo, je marque. Momo. Deuxième. J'espère qu'on entend bien avec le micro, parce que c'est le bordel. Regardez un peu comment je suis, avec le micro comme ça. Allez, c'est parti. Dommage qu'il n'y a plus de cocotte à gagner, mais il y aura une baguette magique, mesdames et messieurs. C'est un peu long, c'est comme ça, c'est la vie. Attention, deuxième tirage, la boule. Le numéro 14. Oh, c'est moi, Momo. Nous voulons ensemble 14, le 14. Momo, je suis content d'être avec toi. Il me fallait un champion. Je peux compter sur toi et tu pourras compter sur moi. Donc, on va marquer Mimo. Équipe verte, Mimo. Alors, qui va être avec nous? C'est important. Hein. On n'est pas chauvin. Allez. Le troisième est dans l'équipe verte. Le 3, on a Gros Babas. Allez, les verts. Équipe Petit Pois. Gros Babas. Ah, puis il n'a pas pris un mot qui est très court, hein, comme Mimorabi, c'est pas chier. Quatrième, allez, il nous faut Max, hein, il nous faut un béton. Hein. Je pense que Max est le meilleur, hein, on va voir. Allez, attention, tirage de l'équipe verte. Attention, équipe verte. Le numéro, alors ce n'est pas le 6, parce qu'il doit avoir un point, je ne dois pas dire... C'est le 9 ou le 6? Oh putain, j'ai un doute. C'est le 9 ou le 6? Est-ce que c'est Skipper 42 ou le 7? Alors merde, je sais pas du tout. Non, quand il n'y a pas de points, c'est le 9, c'est ça? Ah, oh, j'en sais rien. Bah putain. Attendez, il faut que je regarde là-dedans pour voir si j'arrive à voir. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah tant pis, je regarde les autres billes. Merde, comment est le 6 ou le 9? Ah non, quand il y a un point en bas, c'est le 9. Donc là, je suis avec Skipper. Skipper 42. Oh là là, magnifique. Alors ça, c'est l'équipe terrible. Il n'y en a aucune tricherie, j'ai eu une hésitation. Jérôme, je marque Skipper 42, équipe Petit Pois, ou haricot vert si vous voulez. Hein. Attention, on n'est pas des rigolos. Hein. Skipper, voilà. Attention, deuxième tirage au sort. Ah, on n'est pas une belle équipe là les gars, mais on est une belle équipe. Allez, une qui reste. Hop, allez, on prend celle-là. On prend au pif, je ne sais plus. Maintenant, ça va être la bleue. La bleue. Et c'est reparti pour la bleue. Qui va être dans l'équipe blue? Blue, attention, l'équipe... Alors, l'équipe des petits pois est composée. Et maintenant, nous sommes dans l'équipe bleue. Allez, sort. Oh là là. Attention, le premier concurrent dans l'équipe des Blues, c'est le 11 qui est Fred. Fred,
Bienvenue dans l'équipe Blue. Bleu. Bleu, 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 bleu. Fred. Fred. Alors, attention, qui va rejoindre l'équipe des Schtroumpfs avec Fred? Attention, 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 tirage au sort, là il y a eu une petite... Le 1-1-1, et tirage au sort avec un huissier de justice, il n'y a aucune erreur. Willow Will, oh putain, vous êtes béton les mecs, Willow Will. Aïe, 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 Willow Will. Willow Will dans l'équipe des Schtroumpfs, le bleu effectivement, c'est normal hein, quand tu habites effectivement... Dans le Pacifique, c'est pas le Pacifique, c'est quoi? Oui, bah je ne sais pas, merde! Oui, bon, océan Atlantique. Ouais, c'est pareil, oh putain les mecs, avec le bleu qu'il a chez lui, c'était obligé. Attention, l'équipe Blue, le 15, ah ben c'est ça Michel, il connaît rien, il est là que pour le Poupoun. Vous avez Poun 49, dit la barrique. Poun 49, Poun 49, Poun... Poupoun. Suivi de, pour l'équipe des Schtroumpfs, attention. Putain, je ne savais même pas quel océan, mais je ne connais rien. Michel, il a dit qu'en Espagne, il ne connaît pas rien du tout. Bon, le 5, attention, le 5. Oh la vache, grosse équipe. Oh putain, c'est le boss. Oh la vache. Oh putain, c'est plié, les gars, c'est plié, terminé. Ah, le les fumiers. Ah, les fumiers. Ah la vache. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal au cul. Bon, bravo à vous, en tout cas. Bon, il reste 2 tickets, vous allez voir, hein, il reste 2 tickets. Allez, on prend celui-là. Hop, donc c'est pour... Ah, la vache, tiens, ça m'a du mal à passer, ça. L'équipe jaune. Alors, attention, hein, pas de blague sur l'équipe des cocus, c'est hors de question. Équipe jaune, c'est équipe des poussins, hein, on est bien d'accord. Hein. On n'est pas non plus là pour rigoler. Alors, équipe jaune. Il reste encore des bons concurrents et tout le monde peut gagner. Et vous inquiétez pas, l'équipe verte, on va se défoncer. Ah, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Le 2, Gigi Lamoroso. Ah, Gigi, attention. Il n'a pas l'air, mais c'est un furieux. Bravo, Gigi. C'est vrai que Gigi dans une équipe, c'est toujours utile. Attention, attention, attention. Donc, allez. Tu pars. J'ai coupé 2 fois la vidéo, mais je vous jure, sur la tête de mon fils, je n'ai pas triché, je vous jure. J'ai coupé à chaque fois parce que je revérifie le micro. Le 13, qui est élevage Borget. Oh, ça c'est beau ça aussi. Avec Gigi, donc je marque en même temps. Et, ah bah oui, le vage Borget. Oui, c'est un concurrent sérieux. Attention, qui est dans l'équipe des poussins, magnifique, ou l'équipe soleil? Soleil, soleil, quand tu es dans mes bras. Et là, c'est le 9. Vous voyez pourquoi j'avais arrêté, je ne savais pas. Voilà, ça c'était Skipper. Et le 9, vous avez donc le 9, le Celt. Voilà, équipe jaune au complet. Ah non, non, c'est pas au complet, je dis n'importe quoi. Le Celt, enfin, ou le Celt. Non, non, il y a Gigi, élevage Borget, le Celt. Non, c'est pas fini. Non, 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 non. Bah, si, il en reste que 4. Ah non, 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 c'est pas possible. Ce n'est pas terminé. Mais non, ils sont que 3. Michel, t'es défoncé. Attention, c'est tirage au sort. N'hésitez pas. La galette saucisse, le vin rouge, 2,50 francs. Le chamboultou, on est là, on rigole, on s'amuse, on pousse la bonne femme. Le 10, Armen. Ah, alors là, franchement, Armen, c'est du solide. Armen, toujours là, sur YouTube, excellent. Armen. Voilà, ça c'est un mec sérieux, le mec. Eh oui, je suis désolé. Équipe Poussin, Gigi, Elvage Borget, le Celt Armen. Donc, bah, les 4 autres, on va regarder, on va vérifier. Ça doit être... Vous voyez, alors, on va regarder déjà si tu avais bien marqué... Alors, on va regarder. C'était automatiquement l'équipe orange. L'équipe orange, je note, orange. Alors, l'équipe orange, pour moi, c'est les travaux publics, hein, les BTP. Il y en a un qui bosse. Et 3 qui regardent. Ah, j'aurais bien voulu équipe orange. J'adore cette couleur. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. C'est le jeu. Équipe orange. Nous avons donc le 4. Le 4 qui est Runild. Ah, Runild. Ah, Runild, Runild. Ah, Runild, Runild. Runild. Deuxième, le 16 qui est France Espoir 13. France Espoir 13. France Espoir. Qui nous avait quitté, qui est revenu. Après, le 21, donc le 12 à l'envers, c'était Max. Oh putain, bah alors là, vous avez franchement une chance aussi. Hein.
Max 07. Extraordinaire. Équipe Orange, les BTP, bah, je crois qu'on a trouvé. Hein. Le patron, ça va être Max et les autres vont regarder. je blague. Je fais un gros kiss à Runil. Vous voyez, Francis Poirter, ne pars pas comme ça, tu nous fais peur. Et le 7, Giga 7. Oh là là, Giga 7. T'as peut-être une victoire. Parce que pour moi, je pense que Max est au-dessus du lot, tout le monde. Bon, bah, c'est ce que je pense. Après, j'en sais rien, mais voilà. Giga 7. Je pense que c'était avant bah, Zlatan. Big Flo aussi. Et comme Big Flo n'est pas là, voilà, on se retrouve. Je pense. Mais j'en sais rien. De toute façon, c'est une course. Moi, je vais me défoncer à fond. Je dirais à la limite, qui c'est qui a le moins de chance ? Ah, c'est pas mal. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas mal. Hein. Équipe Petit Pois, donc Momo, Mimo, Gros Babas, Skipper. Oh, trop content. Là, voilà, l'équipe verte, ils ont des coronas. Bon, on va se chambrer un peu, on est là pour ça. Équipe bleue, Fred, Willow Will, oh là là, Poon plus le boss. Oh putain, ça leur fait quand même un Ronaldo et un Messi. Hein. La vache, ça fait mal. Hein, équipe verte, allez, t'inquiète pas, j'y crois. Skipper était en forme la dernière fois et... Ça va chier. Équipe jaune cocu. Ah non, les petits poussins, les équipe du soleil. Gigi, Élevage Borget, mon cher ami Élevage Borget. Le Celt et Armen. Heureusement, je pense qu'Armen est le plus... Ah, Armen et Gigi, si, c'est du solide. C'est dommage que ce n'est pas au point, parce que je pense qu'autrement, l'équipe jaune aurait pu gagner. Vous voyez ce que je pensais, bon, on en fera une cup comme ça, mais c'est vrai qu'au point, ça, par contre, au classement, ça aurait été bon. Équipe orange des BTP, les fameuses oranges, la vitamine C, Ronild, France Espoir 13, Max et Giga 7. Ah, effectivement, Max est le cador. Ouais, ça, je le dis, on verra. Hein. Rendez-vous le 9 mai pour voir ça. Sur ce, je vous laisse. Regardez un petit peu ce tableau magnifique. Ah, c'est sensationnel. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ce que nous appelons le hasard et ne peut être que la cause ignoré d'un effet connu. Et voilà, Victor Hugo. Mais oui, le trou du cul de Victor Hugo. C'est un pote à moi, ça. Sur ce, je vous laisse avec Hector. Nous sommes à combien ? 12, 13 minutes. Hector, non, c'est Ursus. Ursus qui ne suce pas que de la glace. Mon cher Ursus, l'ours polaire. Et je vous dis rendez-vous le 9. Et puis bon vent à tous. Et puis bah, pour les autres, c'est pour ça que la team est fermée. Il nous faut des gens fidèles. Et par contre... Le rêve, c'est vrai que le truc ultime, ça serait un jour qu'on soit 30, 40, 50. Bah pour moi, oui. On ferait 10 équipes de 5. Magnifique. Mais là, le jour où on est 50, je vous raconte pas. C'est pour ça, n'hésitez pas. Cette fois-ci, c'est bloqué parce que moi, j'ai fait travailler ma fille sur le projet. Il y aura des surprises dans quelques jours. Pour l'instant, je vous laisse digérer la team, hein, les équipes, vos bannières, la verte, la bleue, la jaune et la orange. Rendez-vous. À très vite. Mais je vous vois bien avant le 9. Il y aura une bande-annonce bien avant parce que ça va être formidable. Gros kiss à tous. Un seul gagnant fera gagner son équipe. Qui sera le héros ? Qui sa famille ?